Yo tout le monde, c'est Yonet Production pour une vidéo en mode DG pour l'épisode de 14. Et donc aujourd'hui, on va continuer la simulation jusqu'à peut-être jusqu'au match All-Star. Non, fait pas. Donc jusqu'au match contre les Prédateurs, ça va faire un mois environ. C'est au mois de février. Puis on est rendu au mois de décembre. 31. Bon, on va arrêter de simuler jusqu'à contre les Sénateurs. Donc je vais calculer le nombre de matchs qu'on a. 1, 5, 9. 10. Ouais, pour l'instant, on va simuler jusqu'à là. On a 10 matchs avant la pause du match des étoiles. Et c'est ici. On va voir s'il y a des joueurs qui ont été pris. Des joueurs de notre équipe qui ont été pris. Première game, on a gagné 2-1. Le contre les Kings avec Rick Nash puis Osner. On a gagné 1-0. Je crois que notre problème c'est en défensive. Je l'ai arrangé. Donc on accorde beaucoup de moins de buts. Le 3-2, non victoire, on commence à gagner de plus en plus de matchs. Les Pingouins. On a perdu 4-1. Faut même perdre des matchs dans la vie parce qu'il n'y a rien de parfait. Donc contre les Devils, les Flyers tout de suite après. Avec Taylor, meilleur pointeur, meilleur buteur. Avec Alishuk, je sais pas c'est qui. Défaite en temps supplémentaire, donc c'est pas super, on a récolté un point. Là contre les Canucks, qui ont pas une grosse équipe. 8 à 1, on a gagné. 5 à 1, ouh, l'offensive a débloqué. Mais c'était pas très beau à voir. 8 à 1. Même si les adversaires. Si c'était les adversaires. Ça doit être dur. On a marqué 13 buts. On a accordé 2 en 2 matchs. C'est énorme. Pas le nombre de buts qu'on a accordé, mais plutôt. Le nombre de buts qu'on a marqué. Donc dans l'ouest, Skinner, Stamkos, Voracek, Vanrysdijk, Tavares, Gramner, Elias, Backstrom, Frenzen, Bouchard, Nyquist, Alfredson, Carson, Weber, Halsner, Kulikov, Cal, Quincy puis White. Goaler c'est Quick puis Elliott. On va checker dans l'Est où que nos joueurs sont supposés être. Ovechkin, Taze, Kane, qu'est-ce que je disais? Percy, Nugent Hopkins, Ossa, Ben, Stahl, Oxposo et Marleau, Galchenyuk, Eberle. Avec. Oui, désolé, je m'étirais le dos. Je m'étirais. Ça dit pas. Mais c'est pas grave. Keith, puis Justin Schultz, Nick Lady, Dan Boyle et Roman Josi, puis Trevor Daley. Goaler Longvis, puis Victor Fast. On s'en fout du pointage. Mais. 8 à 1 Vancouver. Je sais bien qu'ils n'ont pas une grosse équipe, mais c'est qui. C'est quel leur joueur pour qu'il y ait une équipe si minable que ça? Vancouver, c'est déjà pas bonne place. Vancouver. Ouh. Ok. Leur Stéphane. Que il fonctionne. Pourquoi avec nous il fonctionnait pas? Il jouait souvent avec les deux meilleurs joueurs. Deux des meilleurs joueurs de la ligue. Puis il fonctionnait pas. Ils ont quand même des joueurs intéressants.
comme Jack Johnson. Il est juste 84 d'overall. Bizarre. Philip Forsberg. Bien intéressant, lui. Le mec soit peut-être dans les 80, mais peut-être aller chercher. Parce que là, on a beaucoup trop de jeunes qui se développent. Là. On peut le voir par ici. Drouin qui se développe, qui s'en vient pas pire. Il y a déjà quasiment 80. Ekblad 71. Gargenson pas monté. Fait chier. Etem pas encore monté, mais déjà 4 joueurs qui s'en vient. Avec Manta peut-être 5. Sinon, 5. J'ai pas trop d'espoir en eux. Peut-être un Davis, fait que 6. Puis ici, je pense que c'est trop bas pour qu'on s'attende qu'ils réussissent dans la ligue. Donc, on va simuler les matchs, match par match. En même temps, j'allais voir les stats parce que Hugh Kane, gabarit, meilleur buteur, fait bizarre. Ah, je pense que je l'ai jamais fait avec vous, hein, les capitaines. C'est quoi? Capitaine Kane. Peut-être pas Paturity. Ouais. Puis Kucherov est peut-être trop jeune. Runblad. Non, stat. Stat joueur. Donc, ça load. Ok, ils sont à pied d'égalité, Kane et Kucherov. Ibardo, fait pas spé, mais là c'est Paturity qui débloque pas. Mais son... Ok, ouais, un meneur. Tu seras d'élite à parfois. Meneur. Tu seras d'élite. Meneur. Non, c'est Gallagher. Gallagher. Oh my god. Je pense que les gars là, j'ai donné trop de chance. J'y vais tout de suite parce que Gallagher, c'est un joueur travaillant, mais il fait rien. Ben, je vais voir parce que Kunetsov, est-ce que je suis prêt à échanger un joueur offensif, défensif contre un joueur offensif? Ils ont la même âge. Sauf que lui a connu une saison de 63 points. Ben, des côtés des. Côté tir, il y en a 4 aptitudes palais. Okay, il y a 4 et demi. Je compte de gauche à droite. Lui, il y a 4 et demi, 5, 3 et demi. Patinage physique puis défense là. 4 étoiles et demi, 4 et demi, 3 physique, fait petit. Puis 4. Dans le fond, c'est le même style de joueur. Je suis peut-être mieux de les échanger tout de suite, Gallagher. S'ils veulent pas, je veux pas. Je vais leur forcer la main. Non, c'est ça. On va garder Gallagher. Oh, c'est pas plus grave que ça. Si vous voulez vraiment l'échanger, que je l'échange, je vais l'échanger. La première période, Wilson, qui est meilleur buteur, je pense, qui vient de marquer. Donc, powerplay pour eux. Ils ont marqué en powerplay. Il y en a un autre qui continue. Okay. Là, on a marqué Gaborik. Qui est Gaborik en pleine forme. Powerplay pour nous. On peut s'en profiter. On a un deep play. On est capable
dans le contrée. Oh yes, Gaborik encore. Crée l'égalité, 5 contre 3, on a su garder l'égalité. Désolé. Prolongation. Powerplay pour nous. Non, ça fait un tir de barrage. Kessel, c'est pas si grave, c'est un tir de barrage. Oh, excusez. Gallagher, 2 points. C'est ce qu'il faut. Huberto, 1, ça me fait ok, ouais. Là, on affronte le Lightning de Tampa Bay avec Ovechkin. Je vais juste voir. Gaborik est le meilleur buteur, c'est ça que je pensais. Alors, on était en Floride, donc on profite du soleil, pas trop, parce qu'il faut jouer notre match. Première période, 1-1, Pacioretty, puis Teddy Purcell. Donc, on en reprend en deuxième période. Et. Ils ont marqué Koivu. Powerplay pour eux. On était capable de le contrer. Bourque qui en met. Crée l'égalité. Et. Brent Burns marque sur le bord du cercle de mise au jeu, mais Pacioretty crée l'égalité. L'homme que personne croyait. Ben, que personne croyait qu'il aurait pu marquer un but. Parce qu'il commence à devenir invisible. Le entier d'abordage, on a gagné. Ryan Murray nous a donné la victoire contre Philippe Desrosiers. Qu'est-ce que là, Desrosiers? Qui eux, ils ont vraiment un problème de goal. Et on simule jusqu'à là. On va simuler le match contre Ottawa. Bon, on va aller voir comment ça que Lightning n'ont pas de goal. Donc, dans la vidéo, on est allé voir les attaquants dans LHGMQ. Il y a beaucoup de monde quand même. Là, on va aller voir aux US. Bof, troisième tour. Ici, il y a là d'avoir un deuxième tour. On va aller regarder. Là, contre les Saints. Qui ont Séguin puis Parisé. Deux super vedettes. Donc, première période, 1-0. Puis c'est Irwin. L'homme de la situation. Donc, deuxième période. On a créé l'égalité à corps Gaborik. Là, c'est Daniel Payet qui donne l'avance au sénateur. Et on n'est pas capable de marquer. Je sais pas ce qu'il a. Oh là, c'est Hutton. Le power play. Hutton, il est dans sa bulle. Il laisse rien rentrer dans son net. Hutton en pleine forme qui fait 32 arrêts. Sur 33 tirs, on peut lui donner le bénéfice du doute. C'est déjà pas mon équipe, ça va mal. Côté points, Gaborik, Kucherov, puis Huberdeau. Plus ou moins. Les moins Kane, Pacioretty. Ok. Excusez-moi. Il y avait 15 points dans la simulation, il y a 3 matchs. Le 17 points, donc c'est mieux. Côté Pacioretty, 35 points, 17 buts, 18 passes. Gaborik en plein moyen. C'est pleine capacité, oui, désolé. Il vient de signer un contrat de 8 ans. Côté Pacioretty, lui, sa dernière année de potentiel. Donc, on va laisser ça le premier trio pour qu'il monte de plus en plus. Kuchera va peut-être réussir à monter à 89, peut-être 90. D'ici la fin de son potentiel qui finit dans 5 ans, 7, 6.
Il reste 2 années à son contrat, donc on est en business. Côté Huberto, sa dernière année. Contrat, donc il fallait voir. Puis c'est pareil pour Brière, puis Kane, puis Gallagher. Mais Drouin s'en vient, donc il pourra peut-être remplacer Brière à long. Donc là, je voulais voir le problème de goaler. Tampa Bay. Leur meilleur goaler, 66 overall. Je suis prêt à leur faire un cadeau. S'ils m'en donnent. S'ils m'en donnent un. Je suis prêt à leur donner Anderson. Je veux quand même qu'il évolue. Puis c'est chiant de le garder comme deuxième goaler toute sa carrière. S'il pourrait me donner de quoi d'intéressant quand même. Clary Buff, non. Abel Chaser. Buff, non. Peut-être checker côté potentiel. Bon, s'il y a de quoi d'intéressant. Ouais. Beaucoup trop gros comme valeur. Carson, Alben Carson. 20 ans, 3 étoiles et demi de vue jaune. Ouais. Friberg. Non. Ellis. Morgan Ellis. Ben, défense, on n'a pas ben besoin avec Ekblad qui s'en vient. Klingberg. Désolé du bruit. Ça va aller dans le fond à lui. Il me semble. Hey, premier trio là, c'est Ovechkin, Zetterberg puis Koivu. C'est juste chien là qui ont pas de goal là. Je suis prêt à leur donner contre eux. Ils sont prêts à tout donner sauf les choix de cette année. Peut-être prendre leur choix de deuxième round. Tiens, je vous fais un cadeau, puis vous le refusez. On met le choix de 4ème round. Qui valent pas. Le choix de 2ème round l'année prochaine. Dans 2 ans. Donc. C'est ça qui est ça. On va arrêter l'épisode ici. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Partagez-la sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et donc, je vous dis ciao bye tout le monde. Et à la prochaine.